Bonjour. En fait, le truc, c'est qu'actuellement, pour faire un test son, mais en étant, soit, vu que le son, il vient du jeu, genre, c'est pas facile. Du coup, je vais faire ça. Je n'ai pas envie de faire avec mon téléphone. Du coup. Ok. Pour des raisons de, voilà. Du coup, là, c'est bon. Est-ce que je suis en live? Déjà, oui, je suis en live. Hop. Maintenant, je vais mettre le son du jeu, parce que j'ai oublié. Parce que maintenant, du coup, comme je parle en même temps, ben, c'est chiant. Ah non, j'ai pas oublié, c'est juste que je le fais pour le test. J'avais oublié d'activer le son depuis Streamlab. Ça peut être un problème, en effet. J'avais oublié d'activer le son depuis Streamlab. Ça peut être un problème en effet. Hop. J'avais oublié d'activer le son depuis Streamlab. Ça peut être un problème en effet. Hop. J'avais oublié d'activer le son depuis Streamlab. Ça peut être un problème en effet. Écho. J'avais oublié d'activer. Je vais faire le test de son depuis mon téléphone. Ce sera mieux. Bonjour, j'existe. Ah, j'ai pas fait de test par rapport à ma voix. C'est bon. Bah, du coup, j'ai pas créé de salle, du coup, je vais la créer tout de suite. Non, non. Situation de deck amusant, entraînement, hein, de duel avec un deck amusant, appareil de jeu limité. Cette salle est privée. Voilà, interdit de jeu limité. Life point 4000. Créer la salle. Et du coup, je vais copier. Et je copierai plus tard. Bah du hein. On va ouais avec lui. Avant de jouer mon deck qui n'est pas fini. J'ai envie de jouer du virus. Je jouerai pas virus contre les gens par contre. Mais voilà. Ah. Viens de voir le pseudo du gars ou de la meuf. C'est. On peut qualifier ça de charmant. En tout cas, il a une queue de merde aussi. Ah par contre attends, je viens de voir il y a un S, donc en fait ils sont plusieurs. C'est ouais. Ah. Ok. Dès que chevalier j'aime ou le son est trop fort. Oh le mec il a
Un deck chiant! Oui. Oui. Hein. Le deck il a que des monstres normales. Ah, s'il le met. Ah, s'il aurait mis au-dessus. Vais pas piocher de monstre au prochain tour, donc j'aurais été bien. Ok. Bah, du coup, duel, hein. Encore plus duelleux. Duelleux, duelleux, duelleux. Sasuke! On affronte Sasuke. I am in the sauce. Peut-être. Parce que je voulais faire, mais ok. Pas eu de chance niveau draw. Ah, pas eu de chance. C'est quand même bien. Non, par contre, le mec d'avant, il aurait eu quand même un monstre au prochain tour. Donc j'aurais été dans la merde quand même. Mais bon. Que Sasuke met du temps. Il a réfléchi. Ouais. Je suis pas servi à boire, j'aurais peut-être dû. Ok. Ok. Ah, attends. Ouais. Ah, c'est un deck suicide. Oh, ça fait des points gratuits. Ah, merci pour le follow Ptoki. Désolé, j'ai du mal à prononcer ça. Comment vas-tu? Coucou à toi. Est-ce que tu souhaites que nous jouions ensemble au jeu vidéo? J'ai déjà créé la salle, hein. Je peux juste passer les codes. Bon, ça va. Oh, ça va. Un peu mal partout, mais voilà. Salut Diamatsu! Comment vas-tu? Merci pour le follow. Et du coup, maintenant on est à 100 followers. Du coup, ben, je ne sais pas, j'ai rien prévu pour les 100 followers. Ok. Je te donne le code. Bah, ça va, un peu mal, mais ça va, ça va. Match en salle. Ouais, je vais garder ce deck-là. Du coup, Diamatsu n'hésite pas non plus à rejoindre pour un duel de type duel. Si tu en as envie, évidemment. Ok, ah, t'as un deck fun. Oh, je vais pas prendre ce deck là alors. Qu'est-ce que j'ai comme deck fini? Ça fait longtemps que je. Ah, mais c'est toi, Stardust, que je viens d'affronter! Mon dieu, ça. Là que j'ai affronté il y a littéralement 5 secondes. Et je pouvoir m'entraîner avec nous. Ouais, si tu veux, si tu veux. Bah, je joue en premier.
C'est une coïncidence. Bah, juste avant, je viens de t'affronter. C'est littéralement le premier duel que j'ai fait. Hop. J'invoque ma girafe. Mon deck virus. Ah, FF quand j'ai utilisé mon virus broyeur de cartes. Eh, tu joues, t'as joué exactement ça. Du coup, tu vas bouclier le je crois que c'est bouclier mer de bouclier miroir de lune. Ah non. J'ai eu une bonne main avec mon deck là. Montre équipée, perd 1000 points d'attaque et perd un. Ok. Du coup, les duels ce sera une tournante, hein. Vu qu'il y a peut-être ben, deux. Ce sera un coup d'Amatsu, un coup de Toki. Trier 24 de commandes avec PC, ça monte personnel, mais dans la ring, parce que deux fois. Ouais, voilà, bouclier miroir de lune. Non, je fais rien. Ouais, j'ai activé mon électrocanon. Bah, c'est exactement le même pseudo, exactement le même bah, le même familier, le même TP. Et ouais. Et tu joues exactement le même deck. Donc à partir de là, pire attends. Je te montrerai après. Et t'as exactement les mêmes problèmes de co. Bah, de toute façon, je comptais montrer. Mais c'est quand même drôle comme coïncidence en vrai. D'ailleurs, je disais juste que ton pseudo il est incroyable. Il va falloir que tu détruises mon épée de révélation de lumière. Les épées de lumière révélatrice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout comme une arme. Le monstre qui gagne 500 dames. Ça permet de plus de terrain au cimetière. C'est bien, gagne 500 dames. Je trouve. Ok. Bon, après, je vais rien dire, mais je pense que vu comme c'est parti. Ouais. Bon, vu comme c'est parti, je pense que t'as pas gagné. Je pense que t'as pas. Attends. Je peux t'achever ce tour-là ou pas? Non. Et dis-toi, ce deck, c'est un deck électro, donc c'est pas censé être fort. Et c'est un deck fun. Je le joue littéralement en deck fun. Bon, je l'ai mis quelques cartes de défense quand même parce que faut pas exagérer, hein. Voilà. Mais ouais.
Ouais. Bon. J'ai eu une très bonne main. J'ai eu une excellente main. Attends, regarde, je vais juste. Merde, c'était pas là. Duel. Duel, s'il te plaît, merci. Hop. Historique de match. Voilà, c'était toi. C'est quand même une coïncidence. C'est quand même grave cool. Parce que c'est cool. Enfin, c'est cool. Juste, il est 20h? Oui, il est 20h. Je le fais ça vite fait et j'arrive, Yamato. Juste, je profite. Allez. Je quitte direct. Ok. Fin du replay. Hop. Fermé. Hop, je récupère tout pendant que je peux. J'ai pas de deck lien, donc bon, j'ai rien du deck lien. Donne-moi ça, toi. Donne mon argent. Hop, duel. Et du coup, Yamatsu, tu joues un deck fun, fort ou pas trop? Que je vois si je. Si je change de deck ou si je garde celui-là. Rogue. Ah putain, je. Ah ouais. Du coup. Bah, je vais prendre aussi un deck Rogue. Ok. Putain, il est où mon deck que j'avais juste avant? Voilà, il est là. Sélectionnez le deck, hop. Hop, je meurs, je m'en lance. Ah, vous avez lancé sans moi. Très bien. Bon bah je vais regarder, hein, au pire je vais commenter. Oui. Ben non. Mais allez-y, allez-y, je vous regarde, je vous regarde. Comme ça, au moins, je vois quel deck tu joues. Et oui, je prends pas tes cartes. Ah, marque page tour. C'est quoi? J'ai pas vu en fait. J'ai cligné des yeux pendant 30 secondes, j'ai pas vu. Ok. Ah, il est passé sur un deck toon. Ok. Ah ouais, genre, en vrai là j'ai aucune idée du deck que tu joues, justement à cause de tes briques. Ne me dis rien, je veux le découvrir par moi-même.
Mais Ah, déjà, je me note que t'as une carte chiante. Ok. Je sais exactement pas quel deck tu joues. Alors, ce niveau de brique, mec, tu construis une maison ou bien? C'est le mec pas drôle. J'ai des trucs à grague. Ah oui, j'ai tout ça et pourquoi y a ça qui est ouvert? Il y en a un qui s'est ouvert et qui il a fusionné avec mon tiroir. Ah, c'est tout collant. Ah, mais c'est délicieux. Bon. Ok. Bah, let's go. Let's go, la bagarre, la bagarre. Ah! Je pense que tu joues un deck Exodia. A changé Exodia. Tu joues Exodia, la preuve, c'est Exodia sur cette carte. Il a changé, Exodia, il a changé. La bonne brique des familles. On note que ce duel est incroyable. Tu peux désormais créer une maison. Eh ben, j'aimerais pas être à ta place. Non, non, du coup, c'est Diamatsu que je dois affronter.
Parce que comme je l'ai dit, c'est chacun son tour. Chacun son chemin. En fait, c'est des bonbons à la fève de pain. Oui. Attends. Oh non. Bon bah t'as raison, hein. Ou contre là. Soit H, soit CC. Ah. Comme c'était prévisible. Pourquoi je fais cet accent? Bonjour, je suis Sian. Il me semble pas qu'il y ait des extérieurs à plus d'attaque. Du coup, c'est bon. Ah, qui peuvent être invoqués normalement, je veux dire. Non. Pas envie de me faire ban. Ah, j'avais pas prévu ça. Même si c'était prévisible en fait. Non, je sais pas. Et je suis pas sûr de vouloir savoir. On va éviter les choses à problème quand même. C'était pas drôle. Ça garde des moi sur rien, quand même, ça. Ok. Par contre, en vrai, niveau main, là, je suis pas. Je suis pas.
Ok, alors que je me rappelle ce qu'ils font tous. Bah ils me foutent dans la merde, ok. Ouais. Un peu votre adversaire. En effet, tant que c'est sur le temps, ok. Eh ben, je suis dans la merde. Ah. Je vais clairement décéder de mort. Ok. 2000. Ouais, bro, tu tues, hein. GG à toi. GG à toi. Ah oui. GG. GG. Bah du coup je vais affronter Toki. Il est où le deck que je comptais prendre? Celui-là. GG. GG à toi. Allez. Toki. L'heure de la bagarre. Ça a quitté la table. Ah, salut Victor. Comment vas-tu? Bien. Souhaites-tu nous rejoindre pour du master duel de duel? J'aime pas ma main.
On va juste faire ça. Hein. Yep. Yep, yep. Ok. Tac. Ok, ok. Qu'on va bien voir si je me fais démonter ou pas. C'est vrai. Mais ouais, le problème avec mon deck c'est que je suis pas habitué à avoir des mains comme ça. Du coup, je sais pas forcément comment réagir du coup en situation. Et c'est moi où en fait tu joues un deck Exodia ou un deck où il faut piocher beaucoup. Hein. Aïe. J'arrête de taper dans mon micro. J'active parce que ça me saoule. Du coup, ouais. Mais bon, après, c'est vrai que, ouais. Bon, après, je suis con aussi, donc ça m'étonne pas. Ouais, mais il est marrant. Donc ça passe. Proïde. Ok, je vois. Je vois. Je vois. Alors c'est peut-être le même deck d'avant en fait. Ok. Tac. C'est lui-même. Floraison. Cancre là. Florécre là. Florécre. Ouais, attends. Mon extra, je... Attends, voilà. Il est pas complété, mais ça va. Prison de death. En effet. Je vais prendre ça. Hop. Prendre évidemment la magie de terrain. Ouais, mais le truc c'est que je peux pas choisir. Du coup, ce sera un problème. Si jamais il prend un truc, s'il choisit un monstre dans sa main, ça peut être un problème. En vrai, si je peux l'invoquer lui, ça peut être bien. Ouais. Attends, j'essaie quand même de réfléchir par moi-même. Vas-y.
ça. Toi. Hop, et je vais invoquer lui. Je vais tenter un truc. Hop, hop, j'active. Il est dans mon deck en effet. Je vais invoquer toi. Mais là, je vais pas me faire chier, hein, je vais juste regeki. Hein. Alors. Oui, ça marche. J'ai eu le doute pendant une seconde, mais oui, ça marche. Mais non. Hop, battle. Hop, fin du tour. Alors attends, juste relire un truc, c'est attaque d'origine ou attaque actuelle? Ok, c'est. Y'a pas de. Ok, pas attaque d'origine. C'est attaque tout. Là, je peux pas negate. Ouais. Wouah. Celui des épées il est bien mais c'est pas plus utile. Genre vu qu'il est plus pour les monstres. Genre là au moins je peux négate un effet si jamais il en active un. Ouais. Alors tu m'excuseras hein, mais non. Le château, il peut bannir un monstre, une carte sur le terrain. Si jamais nous attendons que plutôt qui se décide à se décider.
Qui peut ban 1. Laquelle? Après, si c'est une Gen Raider, il n'y a pas encore eu de nouvelles cartes. Mais si c'est autre chose, je sais pas. En tout cas, on note que Ptoki est en énorme réflexion. Ouais. Ah. Ok, je laisse faire. Attends de voir. Ok, je laisse faire toujours. Ok. Allez hop. Et du coup, je vais à toi. C'était plutôt pas mal. Ah. Relou les gens qui laissent pas finir, mais bon, ce n'est pas grave. Vérifier le deck, c'est quoi déjà? Ah oui. Du coup, je vais changer de deck. Ce deck il est pas fini, ce deck. On va le garder. Bon, allez, vas-y, je suis là. Hop. Du coup, si, à moins que Victor, tu veux nous rejoindre maintenant pour le tour. Yep. Mais mon McLord, faudrait que je le modifie, mais j'ai juste pas trouvé le temps pour. À moins que tu veux nous rejoindre maintenant, je vais réaffronter Ptoki. Ok. Mais ouais, mon deck McLord, faudrait que je le modifie. Il est bien, mais il a des lacunes. Ah. Yep. Bah. C'est un deck esprit de la terre immortelle. Non, c'est pas celui-là. Lui, il est pas fini. Bon, après, il est pas basé que sur les esprits de la terre. Faudrait que j'en rajoute d'autres synchro, mais j'ai pas les trucs SR et UR pour encore, donc je ferai ça plus tard. Mais en gros, il est basé sur cette carte.
les Ascator et Supai et tout. Et voilà. Oh, et... C'est quoi déjà? Non, j'ai mis qui déjà comme esprit de la Terre? J'ai mis ces trois là. Voilà. Bah du coup je pense qu'il est parti, je vais peut-être partir vite fait en ligne. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il est parti. Hein. Bon voilà. Je vais vérifier vite fait un truc qui n'est pas sur le stream. Ok, hop hop. Mais du coup, Victor, quand tu seras prêt pour dueller, on pourra jouer à deux. En attendant, je pars vite fait en ligne. Perso, mon PC est en marche, donc je peux rejoindre. Je peux pas rejoindre. Ah, c'est pour ça, ouais. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon. J'aime pas ma main. Oh, bah ça va. J'ai le temps de faire quelques duels. Je vais faire un ou deux duels. Attendre de voir ce qu'il joue. Ah, 34. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour. Bon, bah, ça sert à rien d'activer mon C-Max. Hein. Oui, oui, non, elle est bien, mais en fonction de ce qu'il va jouer, c'est plutôt chiant. Et il joue. Ah. Ça sert à rien qu'en Colamax, il va jamais invoquer spécialement. C'est juste des il va juste faire un milliard d'invoques normal avec des giga grosses guillemets. Hein. Mais bon. C'est la vie. Hein. Mais ça sert à rien qu'en Colamax, va-t'en. Oui, oui. Mais ouais. Ça va juste dépendre de ce qu'il arrive à avoir sur son terrain à lui. Mmh. 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 Il est quand même niveau 10 ça, son gros truc là. C'est juste un giga gros pingouin. Oui non, va-t'en. Oh non, je ne peux pas invoquer de mon... Ce n'est pas grave. En fait, en fonction de ce que je vais piocher, je suis soit dans la merde, soit dans la gros... soit pas dans... soit c'est bon en fait. Parce que en fait, il suffit qu'il ait H. Et je peux pas avoir entre dans ma main. Ou c'est un problème. Je peux spé avec mon Diabolos. Mais bon, à celui-là, je peux pas sacrifier ces monstres. Ok. Entre. Je le fais dans l'ordre, hein. D'abord entre.
Ok. Puis, la barrière. Pour protéger mon antre. Hein, et pour pas qu'il ait sa carte. Oui, non, bah attends. Oh non. Hop, je fais ça. Ah oui! Non, attends. Comment ça, Comment ça, elle a toujours ses 3000 d'attaque? Enfin, ses 2000 d'attaque, c'est pas normal. Genre. Ah oui, non. J'ai juste pas encore mis à jour. Petite activation d'effet. Je sais, au revoir. Hop. Ok, non. Alors, choisis tes pièges. Ça. Ah, ça. Parce que pourquoi pas. Et. Ouais, allez, ça. Si, si, je crois que tant qu'ils sont dans. S'ils sont dans sa main en tant que. Que bon. Il peut toujours les invoquer. C'est juste que. Ils changent en ténèbres une fois sur le terrain. Mais s'ils sont d'abord dans sa main, c'est bon en fait. Il peut toujours les invoquer. Là, ça devient un problème. Ah, je peux pas invoquer de monstre là par contre. Ça, c'est un problème aussi. Peut-être dû d'abord sacrifier ça d'ailleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus, j'aurais pu sacrifier son monstre après. Peut-être une erreur. Attends. Le sait faire. Ouais, mais non, tombe, je vais attendre un petit peu avant attendre un tout petit peu, au cas où. Parce que si je peux l'empêcher de piocher des monstres, c'est encore mieux. Ouais. Ah, tombe souriante. En gros, je sacrifie un monstre avec maximum 3000 d'attaque. Puis il détruit autant une carte de son choix dans sa main ou deck pour chaque 2500 d'attaque que le monstre est là. Puis s'il sacrifie un monstre avec minimum 2000 d'attaque jusqu'à la fin du troisième tour, après la création, tous les monstres qui piochent bah, sont. Ils poubellent. En plus, ils peuvent pas activer leur propre effet de tour. Il invoque lui sérieusement, mais il est con. Attends, il fait quoi l'autre en fait? Attends. Peut-être maintenant, il va juste dépendre de. Attends. Je vais pas activer tombe souriante. Je vais activer démoniaque de destruction de deck. Quoi, j'aurais peut-être dû attendre qu'ils piochent d'abord ces monstres, comme ça ils sont détruits. Oh, pure, c'est pas grave. Oh non! Ça, c'est pas cool. Mais bon, son monstre est quand même plus là, donc c'est bien.
pas eu les bons virus. Ouais. Bah, sacrifier mon monstre. J'aurais peut-être dû activer maintenant en fait, tu es con. Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors, je crois que normalement j'aurais perdu, hein. Ok, bon bah je pense que je vais faire ça et puis voilà. On va faire un duel et ce sera bon. Alors il l'annule et je suis bénéveille. Oh, je suis pas annulé. Oh, par contre, genre son terrain il est. Je l'ai jamais vu. Par contre, je me sens serré dedans. Ah, genre il est tout petit. Alors qu'en fait il est de taille normale. Mais j'ai l'impression qu'il est tout petit. C'est horrible. Je vais te donner le code. Quand même, ça peut être bien. Non. Ok. Ok. Eh bien, c'est que cette fois, j'ai pas besoin de l'utiliser sans effet. C'est bon. Hop. Hop. Ah! Oh non! Je. Ah, ya ya! Je souffre de douleur. Il vient de sacrifier mon monstre. Mais que vais-je bien pouvoir faire? Je me le demande. Quoi? Magie. C'est tout. Ah! Bon, je sais quel genre de deck il joue maintenant. Ils jouent un deck renoncé. Du coup, je ne vais absolument pas renoncer. Il va voir ma main, c'est ça? Oui, oui, j'ai règle qui. C'est tout, mec. Tout, j'ai règle qui, hein. J'ai rien à faire. Ah, par contre, il a invoqué là, du coup, c'est un peu chiant quand même pour le renoncer à Anima. Ouais, voilà. Oh non. Oh non. Je savais. Ouais, mais j'aurais dû contre là dès le début en fait. Mais ce n'est pas grave. Je comprends. Non, il va me faire mal. Je souffre. Je comptais me faire un deck renoncé à un moment. Sauf qu'au final, j'ai pas eu d'idée. Du coup, bah, j'ai renoncé. Merde. Merci pour le follow, la saucisse à papa. C'est. Ton pseudo est intéressant. Ça, on va pas se le cacher. C'est tout. Hop. Ah, clairement pas ouf, maman. Ouais, c'est rien, c'est la vie. Mais c'est une blague nulle, mais qui était vraie. Genre, ouais. Enfin...
Ciao. Salut mon pote. Du coup, souhaites-tu nous rejoindre, me rejoindre pour des duels de monstres? Hop. Pour jouer à Duel Monster. Bon, évidemment, j'affronterai d'abord Victor avant parce qu'il était là et qu'il attendait la match de son PC. Mais évidemment, si tu le veux, je peux te donner le code. Ok. Ok, je te le redonne tout de suite. Hop. J'aurais dû contre là, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Tiens, va-t'en. Va-t'en toi aussi. Oh, il a le renom dans sa main. Ça peut être un problème ça. Oh non. Il va, je sais pas. Il va faire des choses. Là, ce duel va être très très long. Ah. Tu peux pas détruire mon antre. Et j'aurais dû contre là toujours. Là là. Ça va être compliqué. Je drôle. Ça va être la merde. Ça va être la merde. Après, s'il invoque un monstre avec plus d'attaque, c'est bon. Avec 2500, c'est bon, mais ouais. Aurait-il entendu? Ah, la licorne. Bah du coup bah Bibel, hein. Je vais la renvoyer dans le deck. Il est con! Il pensait que je pouvais pas du coup. Bon, c'est pas grave. Par contre, je suis toujours dans la merde, hein. Ça, y a pas de débat. Non, va-t'en. De l'eau. Oh bah GG mec hein. Je l'active par principe. À fond, c'est pas comme si je pouvais piocher quelque chose pour me défendre. Et je vais éviter de faire un truc. Comme ça, le temps qu'il finisse. Hein. Je ne compte pas FF, ça donne pas de points pour le pass de duel. Nanana, nanana, nanana.
Alors de pas, de toute façon, je fais que... voilà. Hop. Là, tu viens pas regarder, il a gagné? Ah oui, ok. Bah du coup je vais arriver. Je vais en profiter pour récupérer quelques trucs. Là, j'ai tellement pas fait le truc lien, mais j'ai tellement pas de monstre lien que du coup bah voilà. Après je pense que j'ai moyen de douiller. Genre je prends un deck, un de mes decks qui a pas d'extra, vraiment d'extra deck. Et je ouais. Moyen de douiller. Qui est dans la salle là, je regarde. Il y a toujours ce con. On peut pas le virer? Comment on virer les gens? Tac. Comment on fait? Comme tu veux, comme tu veux. Vainc. Ouais, donc c'est toi le vainc second compte. Je vais prendre. Non. Non, j'ai pas. D'ailleurs, le festival, je l'ai absolument pas aimé. Je crois que je l'ai fait avec un deck d'emprunt. Si on pouvait, je sais plus. Je vais prendre ce deck là, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Je vais le retester. Ça me permettra de voir ce qu'il fallait modifier avec. Prends ce que tu as envie de prendre. Le fer a rejoint la table. Commencer the duel. Bonne chance. Toi aussi. En espérant ne pas briquer. Tac. Je te suis. Hop. J'active ça. J'ai pas fait de BTP point. Ok. Hop. Là. Nanana. Ouais, bon, je pense que je vais jouer ça. Je pense que ça me semble bien. Pêche savoir quelle carte, quel deck tu joues avec cette carte. Ah, Subterreur! On m'avait conseillé d'en faire un de ces deux decks Subterreur en plus. Du coup, ça va me permettre de voir comment il fonctionne. Nana.
Nanana. Ah! C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ok. Doucement les magies pièges là. L'une des raisons pour laquelle je disais doucement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Bon bah. On va dire que j'avais prévu le coup. Hein. Oh non! C'est quoi ça? Ok. Ah! Ouais. Ouais. Ouais! Par contre, comment tu as reposé cette carte là? Je crois que je t'aime pas. Je crois que je te déteste actuellement. Je souhaite beaucoup de malheur à toi. T'as envoyé quoi au cimetière hein? L'empereur Goyo. Ah oui. Il est quelle heure? 21h17. Ouais, bah je suis dans la sauce, hein.
pense que le GG est pour toi. Carte elle est forte en vrai. GG. Ok, je pense que je vois comment ton deck fonctionne. En plus on m'avait conseillé d'en faire un, donc je vais peut-être faire ça. Bon bah vu qu'il y a plus que toi, je pense qu'on va continuer à jouer encore un peu. On va jouer toi et moi la contre l'autre. Je vais prendre un autre deck. Prendre ce deck là, vu qu'ils sont dans le même paquet, du coup ils sont un peu. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont un peu rivaux, même si pas vraiment je pense. Ça peut être marrant. Hop. Le fait qu'il balance ça, ça me fait penser qu'il fait que. Hop. Je pense qu'on va faire, on va faire un BO3 et puis je m'arrêterai là. BO3 à partir du moment où j'ai pris ce deck. Si ça te va. Non, tu me l'as pas dit. Ah oui, non, mais. Ok, j'ai compris. Et ben, bonne chance à toi, hein. Ok. Hop. Bah du coup, le BO3, ça te va? Que va-t-il faire? Ok. Na, 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 na. Ok, je vois. Annulé. Évidemment. Ah ah, et non, ce n'était pas appelé par la tombe. Ah, tu as cru. Ciao, bye bye. En fait, j'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Oh non! Na 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 na.
Na 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 na. J'apprécie cette draw. Non, pas encore. Pas comme ça, Anakin. Tu étais l'élu, c'était toi. J'aime pas Star Wars. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai jamais regardé. Du coup, ça m'intéresse pas de regarder aussi. Et il y a un mec que je déteste qui était giga fan. Et du coup, le fait qu'il en parlait tout le temps, ça m'a dégoûté du truc. Mais ouais. Et oui, je raconte ma vie. Na, 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 na. Ça va être très douloureux. On appelle ça communément la douleur. D'ailleurs, attends. R, R, R. Ok. Quand même pas fan. J'aime bien cette musique en vrai. Juste 2700. Pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais vas-y. Je pense que je suis mal barré. Pour chaque monstre, un gradeau, lorsqu'un monstre, un gradeau, le pouvoir grâce à ça, vous pouvez une carte. Ajoutez la votre main. Ok. Tu veux le retourner en mode attaque et du coup tu vas attaquer. Bah du coup GG à toi. Hein. Alors attends. Alors, en vrai, cette carte c'est juste une R. GG. Bon, du coup, tu as gagné la première partie du BO3. Aïe! Go taper pour la suite de la victoire, de la bagarre, de l'argent. Encore jouer en deuxième, ça c'est un problème. Je vois. Je vois. Eh ben, je vois. Est-ce que tu as compris que je voyais?
écossage que je vois. Oh non. Oh non. Peut-être dû faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et là, une deuxième floraison. Ça m'aurait fait chier. Ah ah ah, je possède le niveau de boss. Que vas-tu faire? Je ne peux rien faire, Yugi. Ouais. Je termine mon tour. Ah ah ah, je termine mon tour. Ah ah ah. Je suis... Hop là. Ça m'a fait penser. Oh non. Nanana. Nanana, nanana. Oh non. Oh non. Bon, c'est pas grave. Normalement ça marche hein, si je ne m'abuse. Abuse. Ok. Ok. La puissance de l'armée. Non. Mode attaque. Mode attaque. Là, il va sortir un force de miroir. Sortir son meilleur force de mémoire, je veux rien comprendre, je suis tellement crevé. Ah non! Je ne te laisserai pas le tuer! Ah. Ça change rien à mes plans! Vois-tu, la raison est que Chisha Shosei, c'est le nom en anglais, en japonais, en je sais plus quoi. Et il est de retour.
Il est de retour. Alors, attaque. Ah ah ah! Tu as cru qu'il était mort, mais en fait il avait fait exprès de dire qu'il était mort. GG. Bon, le dernier du BO3 du coup, et puis je vais m'arrêter là. Non, mais c'était cool en vrai comme live. Si je jouais en first. Hop. Je déteste ma main. Je déteste. Ah, toi aussi. Et bien dans ce cas, nous sommes deux. Perdre, pas le temps de niaiser. Ah non, je le savais. Je le savais, je le savais. Ok. Regeki juste pour ça, c'était pas forcément utile, mais... toi. Ah, subis mon armée de jetons. Vous pouvez activer 15 en instant motivé par tour. Mais du coup, tu l'as déjà activé, donc c'est pas forcément normal, mais ok. Pourquoi pas, hein. Après tout. Les bugs, hein.
Mal parti. Ah. Ok. Ah. C'est une erreur. Non, c'est bon. Le duel qui va être très serré. Je crois que ça change rien ça par contre. Ouais, ça change rien. Ils se sont bannis l'un à l'autre. Alors ça c'est juste pour mon bien-être personnel. Bon. Pour l'instant c'est moi qui suis le mieux parti. Ouais. Ouais. Pour l'instant c'est moi qui suis le mieux parti, mais ça ne veut rien dire. On n'est qu'au tour 8. À tout moment, tu pioches LA carte qui change tout. La carte de ta vie. L'âme des cartes de Uno. Plume pendant que je pioche un brick. Ah! Bon. Là, par contre, c'est ce qui s'appelle ne pas avoir de chance. Alors, c'est quoi ça déjà? Tous les monstres, ok. Peux-tu le laisser, hein, ça sert à rien que je l'annule. Ok. Hop. En vrai, attends. Ouais, non. Chez lui, j'invoque toi, j'active ton effet, je veux ajouter toi, hop, j'invoque lui. Hop. Tiens, pioche donc une carte. Hop. En vrai, avec de la chance, la carte que je t'ai fait piocher, elle va te sauver, hein. Avec de la chance, évidemment. C'est tout. Ah. Bon bah... Oh non! Oh le typhon. Mais en vrai ouais, en fait le truc... Oh.
Le truc, c'est que j'ai pas compris pourquoi t'as pas. Ah oui, non, parce que c'est des monstres que tu peux ban. J'allais dire, oui, non, j'ai pas compris pourquoi t'as pas ban mon niveau de boss, mais non, c'est des monstres que j'ai relu après, c'est pour ça. Mais ouais. Bon, avec de la chance, t'as pioché ce qu'il te faut, hein. Avec de la chance, évidemment. Trou noir. Ah. Bon. Ben, je vais en finir tout de suite. Ah. Bon bah. Ah, pas sûr que H ça aide beaucoup avant d'essayer. Non, je ne peux pas activer mes effets. GG à toi. GG à toi. C'était un beau BO3 en vrai. C'était un beau BO3. C'était cool. GG à toi aussi. Bah du coup je vais y aller. Si jamais, sache que Master Duel c'est tous les jeudis. Voilà. Si jamais tu as envie de revenir, tout ça on connaît. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. Je vous remercie d'être venu évidemment. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez. Bye bye. Et je vais peut-être aller raid quelqu'un. Je vais aller raid quelqu'un. C'est vrai que je peux faire ça. Alors, comment on raid des gens déjà? Comment on lance un raid? C'est ça. Lancer un raid. Vu que j'étais sur Yu-Gi-Oh, je vais aller raid lui parce que lui aussi sur Yu-Gi-Oh, il est pas sur le même. Hop. Lancer le raid. Voilà. Un spectateur prêt. Deux spectateurs. Ok. Voilà, bah du coup je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Les couilles.